Bonjour, Seymour. Je me suis retrouvé en dépit de vos instructions. Oh, inspecteur Chalmers, bienvenue. J'espère que vous êtes prêt pour un déjeuner inoubliable. Ouais. Juste ciel. Mon rôti est brûlé. Mais je pourrais acheter de la bouffe rapide et la faire passer pour ma propre cuisine. Délicieusement diabolique, mon Seymour. Skinner et ses explications bêtes, le super inspecteur risque d'en perdre la tête. Attention Seymour, à l'exagération, ou bien ça va barder sinon... Seymour! Inspecteur, je vous ai juste étiré ma jambe sur l'appui de la fenêtre. Exercice isométrique que vous voulez essayer? Pourquoi il y a de la fumée qui sort de votre four, Seymour? C'est pas de la fumée, ça, c'est de la vapeur. La vapeur des clams à la vapeur qu'on va manger. Des clams à la vapeur. Inspecteur, j'espère que vous êtes prêt pour ces succulents hamburgers. Mais je croyais qu'on mangeait des clams à la vapeur. Oh non, j'ai dit des ham vapeur. C'est comme ça que j'appelle les hamburgers. Vous appelez un hamburger un ham vapeur? Oui, c'est un dialecte régional. Je vois. De quelle région juste? De la région du lac Saint-Jean. Vraiment? Eh bien, je suis de Jonquière et j'ai jamais entendu personne employer le terme ham vapeur. Oh, pas Jonquière, non, c'est une expression d'Alma. Je vois. Vous savez, ces hamburgers sont très semblables à ceux de chez Krusty Burger. Oh non, non, d'authentique Skinner Burger, une vieille recette de famille. Pour les ham vapeur? Oui. Oui, et vous les appelez ham vapeur en dépit du fait qu'ils soient de toute évidence grillés. Vous savez, une chose que j'ai... Excusez-moi une seconde. Bien sûr. Là, eh bien... C'était merveilleux. Arros s'est bien amusé, je suis exténué. Oui, je devrais penser à... Grand Dieu! Mais qu'est-ce qui se passe là-dedans? Une aurore boréale? Une aurore boréale, hein? À ce temps-ci de l'année, à cette heure de la journée, dans cette partie du pays, et localisée entièrement dans les limites de votre cuisine? Ouais. Puis-je la voir? Non. Seymour! La maison est à feu! Non, maman, c'est une aurore boréale. Eh bien, Seymour, vous êtes un drôle de type, mais je dois dire que vous faites d'excellents hams vapeur. Au secours! Au feu!